so far away from home. In this desert of regrets, never thought that I would have to let you go. Tell me, how can I forget? If I could travel back in time, I'd lay a blanket full of stars to brighten up the darkness of our sleepless nights. I'd find a way to make you smile. Bonjour à tous, c'est Célia, on est lundi soir. Je viens de déposer ma fille à son cours de guitare et comme c'est un petit cours qui dure qu'une demi-heure, on a pris l'habitude avec Maxime d'aller se balader pendant ce temps-là. Et aujourd'hui je suis toute seule, il n'y a pas Max puisque lui il est parti pour 4 jours en Suisse pour un salon pour son métier en fait. Donc d'habitude il y a ma maman qui vient pendant ce temps-là, mais là il est déjà parti le mois dernier, donc comme ma maman habite loin, je me vois mal lui proposer de revenir 2 mois d'affilée. Voilà, ça lui fait un petit peu loin quand même comme en route. Donc voilà, je me retrouve toute seule. Et donc je fais ma petite balade toute seule, mais accompagnée d'un grand soleil, donc ça va, le moral y est. Et c'est marrant comme on est des petits êtres d'habitude, hein, parce que ça me fait très drôle d'être toute seule. J'ai vraiment pas l'habitude de ça, on est toujours tous les deux ensemble, on fait un peu toujours ensemble. Bon, faut dire que sinon on se voit jamais parce qu'on a des métiers tous les deux qui sont très prenants et on rentre tard le soir. Enfin on arrête tard le soir. Donc voilà, il faut qu'on arrive à se trouver des petits moments à nous, et ces petites marches du lundi soir sont ce genre de petits moments. Et puis le reste, bon ben on essaie de faire des trucs quand même en commun. Fouf, je suis en train de monter. Je me rends compte qu'il va falloir que je travaille un peu le cardio. J'ai du mal à vous parler, à marcher. Alors je marche très vite. Donc je vais marcher un peu plus lentement. Je vais être en mode balade. Il faut apprendre à profiter et pas forcément aller trop vite. Mais ça, c'est un peu difficile. Donc, je vous disais que Maxime était parti, que j'étais donc toute seule. Et ça me fait un petit peu peur, je dois vous avouer. Parce que j'ai plus l'habitude de ça. Et parce que depuis que j'ai été malade, j'ai une pensée qui revient assez souvent, ou plutôt une peur qui est assez présente. Et c'est l'idée en fait qu'il m'arrive quelque chose, que je sois toute seule avec ma fille, et que par conséquent ce soit elle qui me trouve s'il y a quelque chose qui va pas. Elle est pas si déconnante que ça, cette pensée, puisque pendant que j'étais vraiment très très mal il y a 2 ans, j'ai fait plusieurs malaises. Et Maxime était avec moi, donc ça m'a rassurée. Mais voilà. Alors après, ça va beaucoup mieux. Comme je vous le disais, ça va vraiment, vraiment beaucoup mieux. Après avoir suivi ce long traitement aussi. Donc je sais aussi maintenant beaucoup plus comment faire quand ça va pas. Ce que je dois prendre, ce que je dois pas prendre. C'est un petit peu le côté positif aussi d'avoir un diagnostic sur une maladie comme ça qui peut être grave. C'est qu'avant je me soignais mal, voire de façon dangereuse avec la maladie que j'avais, parce que j'avais tendance à prendre des anti-inflammatoires, et avec une maladie auto-immune faut surtout pas faire ça, enfin avec la maladie de Crohn faut surtout pas faire ça. Donc du coup si j'avais mal à la gorge, que c'était récurrent et tout ça, je me posais pas de questions, je prenais un anti-inflammatoire. Et c'était surtout pas la bonne chose à faire. Donc c'est le côté positif aussi d'arriver à mettre un diagnostic sur une maladie, sur des douleurs, qui empêchent du coup de réagir de façon inappropriée. Mais n'empêche que cette peur quand même est restée. C'est un peu ma dernière peur qui reste. Puisque du coup... C'est vrai que quand on est mal, bah, ça fait ressurgir un petit peu toutes les autres peurs que moi je pouvais avoir.
Et celle-ci, je l'avais pas avant. Je l'ai vraiment eue là en l'espace d'une année, en ayant développé ce souci, puis en faisant des malaises. Et inconsciemment, il y avait l'idée de plus pouvoir faire confiance à son corps. Jusqu'à présent, comme tout le monde me disait, ouais, c'est le stress, machin. Donc pendant des années, j'ai cru que c'était dans ma tête, que c'était moi qui avait peut-être pas assez de volonté, qui était peut-être pas assez forte. Et en me rendant compte que bah non, je pouvais faire bien ce que je voulais et être aussi avoir une hygiène de vie, même la meilleure qui soit. La maladie s'était installée ou s'était déclenchée et puis pouvait très bien se redéclencher de temps à autre. Donc ça, c'est quelque chose où pour l'instant, on n'y peut encore pas grand-chose. Donc voilà, on fait de son mieux avec ce qu'on a. Mais ça m'est resté. Donc je vous avoue que cette semaine, dans l'idée, me stressait un petit peu. Et puis là, à le vivre aujourd'hui, je pense qu'aussi l'arrivée du soleil, tout ça, ça m'a remis une bonne dose de morale. Et du coup, ça me permet vraiment d'aller... de reprendre confiance en moi à ce niveau-là. Voilà, je pensais me sentir beaucoup plus stressée que ce que je suis. Et au final, je vois que voilà, je suis pas plus stressée que ça. J'ai quand même cette pensée qui tourne un peu en boucle en arrière, vous voyez, qui est là, au fait, tu es toute seule. Attention si t'arrives quelque chose. Mais je ressens pas le côté émotion qui va avec. J'ai pas d'angoisse, j'ai pas de... Voilà, la pensée pour l'instant s'arrête là. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure de la semaine. Mais voilà, je suis plutôt contente de moi. Parce que je vois que petit à petit quand même les choses... les choses se tassent au niveau des angoisses qui avaient ressurgi au moment de la maladie, quoi. Donc voilà mon état d'esprit pour cette semaine. Un peu stressée mais confiante. Donc je vous embarque avec moi et puis c'est pas souvent que je peux être toute seule, donc j'ai aussi envie d'en profiter. Coucou, on est mardi matin. Petit enfant déposé à l'école et me voici à 8h30 pour une grande journée solo de travail. J'ai l'impression que tout est possible. Ça me donne envie de faire plein de choses. C'est fou, je me dis que je peux travailler de n'importe où dans la maison, je gênerai personne. J'ai vraiment l'impression que la vie m'appartient. Alors j'ai prévu, comme il fait beau, de faire une petite balade tout à l'heure, vers 11h avant de manger. Mais avant, je voudrais vous faire des petits tirages. Donc là, je suis en train de reprendre les petits tirages du matin. Alors c'est des petits tirages avec la particularité de devoir faire pas plus de 1 minute pour que ça aille dans les stories Instagram et les shorts, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, les shorts de YouTube. Et les shorts, alors les stories, on peut en faire, ça peut être un peu plus long, mais les posts les shorts de YouTube, on est limité à 1 minute et vraiment pas plus. Donc c'est hyper challengeant. Ça fait des micro-tirages vraiment boum boum, ça c'est pour votre journée et voilà. Enfin et voilà, entre guillemets. Hein. Mais du coup, je trouve ça vachement sympa, c'est des mini-formats comme ça. Ce que j'essaye de faire, c'est que je vais vous filmer en fait des... J'en fais plusieurs à la suite pour avoir tout le mois. Et comme ça, je vais pouvoir faire chaque mois en fait... Je prends une journée, enfin une matinée ou deux matinées pour tout filmer et puis vous les dispatcher après, parce qu'après il y a les filmer, mais il y a aussi mettre les sous-titres, la mise en page, voilà. Donc je trouve ça super intéressant, j'adore, hein, vraiment je trouve ça trop cool, ça me fait du bien de reprendre les tirages. J'aime bien le faire de temps en temps, des fois c'est lassant parce que bon bah au bout de 10 ans, faire que des tirages ça devient moins amusant, surtout quand il n'y a pas de personne en face, c'est des tirages généraux, donc on n'est pas dans une discussion avec une personne, on n'est pas dans une consultation, c'est seul un peu face à soi-même et à ses cartes, donc ça, c'est sympa d'avoir, de pouvoir avoir comme ça des...
formats différents. Il y a des moments où je vous faisais des horoscopes, il y a des moments où je vous faisais des tirages du matin un peu plus longs. Là, c'est des micro-tirages, donc ça change, ça challenge à chaque fois. Je trouve ça assez chouette. Puis, je vais vous montrer un petit peu mon setup. Alors, faites abstraction du bazar. Je me suis mis cette petite table où, en dessous, j'ai des livres ou des jeux qu'il faut que je vous présente. Et puis, je me suis fait cette petite installation. Donc, ici, j'ai la ring. Je vous mettrai les références, tiens, de ce que j'utilise. Ici, j'ai la ring pour pouvoir apaiser les ombres quand j'en ai besoin. Et puis, je me suis fait ce petit set d'installation. Alors, ça, c'est vraiment super. J'y mets mon téléphone, ici. Et puis, j'ai plus qu'à faire le tirage. Vous voyez, vous aurez cette vue-là. Hop, comme ça, c'est mieux. Donc, il y a cette vue, mais c'est en horizontal. En verticale. Donc, vous aurez juste cette partie-là comme ça. Donc, je trouve ça assez chouette. Et puis, il y a le petit côté printanier avec les petites fleurs et tout. Ça me fait plaisir. Comme ça, je pourrais changer un petit peu tous les mois et tout. Tous les mois, peut-être pas, mais au moins toutes les saisons. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vais m'y atteler, vous faire plein de petits tirages. Et puis, c'est sympa parce qu'en plus, je fais tourner tous les jeux. Donc là, je vais piocher dans la bibliothèque derrière et je me dis, allez, je vais vous faire 5 tirages avec le Tanis, 5 tirages avec le Sweet Ladies. J'aime bien, je pioche, je prends et je m'amuse. Voilà, allez, c'est parti! Lundi matin, je vous retrouve avec la moumoute. La moumoute parce qu'il fait froid. On a perdu 10 ou plus de 10 degrés ici à Toulouse. Donc voilà, j'ai ressorti la moumoute. Je vous ai filmé, je crois, jusqu'à mercredi dernier. Le reste de la semaine s'est très bien passé. C'était très chouette. On a eu un beau week-end. Donc on a quand même, s'il faisait un petit peu plus frais, on a quand même pu en profiter un petit peu. Et j'ai pas filmé, j'avais pas trop le cœur à ça, je voulais juste faire ce qu'il y avait à faire, hein. Je pense que filmer mon ménage ne vous aurait pas grandement passionné. Et par contre, depuis la fin de la semaine dernière, j'ai entamé l'écriture du livret pour aller avec le futur Lenormand, qui était censé s'appeler le Ghostly. Si vous avez suivi le vlog dernier. Et dans ce vlog, je vous disais d'ailleurs que j'hésitais entre deux noms. Le Happy Ghost qui lui irait très très bien parce que c'est un oracle vraiment très joyeux, avec ses petits fantômes très joyeux. Et le Ghostly. J'avais peur que le Happy Ghost ressemble trop au Little Ghost et que vous confondiez un petit peu les deux. Comme ça a été le cas pour le Reflet de Lune et l'Oracle des Reflets. Parce que c'était... Voilà, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui avaient un petit peu du mal entre les deux et confondaient. Donc je voulais pas refaire ça, et puis en fait, vous avez été très nombreux à me dire que vous préfériez le Happy Ghost. Bon, donc du coup, je sais pas, je pense que peut-être que le Ghostly va se transformer en Happy. J'avais commencé à faire la boîte, donc je vais regarder un petit peu cette semaine pour voir si je change définitivement le Ghostly en Happy. Ça rime.
Et puis voilà un petit peu tout ça. Donc j'aurais écrit là le livret, mais je en fait je retravaille sur la base du livret du Little Ghost. D'ailleurs, je me suis aperçue que j'avais fait une petite erreur dans le Little Ghost sur les petits conseils des fantômes pour les tirages réussis, où le premier conseil c'est celui du tarot, pas celui de l'oracle. C'était juste, je l'aurais juste simplement enlevé, donc c'est pas très grave en soi. Mais ça m'ennuie quand même, je me dis mais c'est pas possible, il y a tellement de relectures, tellement de... Comment on peut se tromper alors que ça fait 4 lectures, 5 lectures? En fait, c'est pour ça des fois qu'on demande à plusieurs personnes de relire quelque chose, c'est parce que on a tellement le nez dedans qu'au bout d'un moment, on ne voit même plus, en fait, on ne voit plus les fautes. Alors c'est facile pour quelqu'un qui va reprendre un livret et qui va le lire pour la première fois de s'apercevoir de certaines petites erreurs, mais quand en fait vous avez le nez dedans sans arrêt non-stop, que vous relisez, refaites, relisez, vous finissez par plus rien voir du tout, ça devient flou. Et c'est ce qui s'est passé, voilà. Et c'est aussi pour ça que vous voyez des fois des fautes hein, dans les livres ou dans les livrets, peu importe, parce que c'est très très difficile de ne pas laisser passer une ou deux coquilles ou une ou deux fautes. C'est pas spécialement pour me dédouaner, mais c'est vraiment quelque chose qu'on remarque tout le temps, hein. Donc voilà. Et je voulais reprendre aussi celui un petit peu du Tanis, parce que je sais que vous aimiez beaucoup la façon dont j'avais traité les cartes. Par contre, la partie avec les petits mots en italique, je vais sans doute reprendre juste la première partie, et puis retravailler la deuxième. Voilà. Donc, bon. Je vais voir un petit peu tout ça. Je vais déjà reprendre tout ça, faire un petit melting pot un petit peu et puis rajouter des petits éléments à ma sauce. C'est parti. C'est mon travail pour cette semaine. Moi, je vous souhaite une belle semaine. Je pense pas que je vous filmerai trop cette semaine parce que, à part me voir assise à mon écran à retravailler les textes, ça va pas être bien passionnant pour vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. J'espère sans la moumoute, avec beaucoup plus de soleil. Salut !